Et puis vous pouvez les réutiliser comme vous le souhaitez. Le titre de la conférence, c'est... Ah si, ouais, vous allez vous... C'est quoi le titre de la conférence? C'est le... Vous mettez l'avenir de l'aéronautique active. Ça sera plus simple. C'est du mal en général. Pardon ? Il y a du monde en général qui vient ? Alors oui, alors, donc, comme vous expliquez, les études ça se fait au rez-de-chaussée, pour trouver l'actualité. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est dans le hall, il y a du flux, les gens en donc on a toujours 20-30 personnes qui viennent juste pour l'événement, parce que c'est assez récent comme rendez. Et après, on en a toujours, une quarantaine qui, en fait, voit de la lumière et s'arrête pour écouter le débat. Quoi. Ouais. Là, y a pas de... Et là, du coup, ils vont faire des annonces et essayer de rameuter un peu tout le monde depuis là-haut. Mais pour l'actu, du coup, ils condamnent parce que ils doivent stocker les livres qu'on leur remet. Et toi, et les mettre pendant 3 jours à l'isolement pour les remettre en rayon. En fait, quand on rend un livre à la médiathèque, il les stocke pendant 3 jours, isolés. Voilà. Et du coup, en fait, le stockage se fait là où on doit faire le débat. Nous, on a une médiathèque au boulot. Ouais. Et enfin, moi, j'ai des conférences souvent. Et en fait, on a, c'est pareil, c'est ça, de lieu de stockage pour les bouquins, c'est pénible. Voilà. Là, je mets quoi? Je mets. On faut mettre les trois. C'est le streaming? Là, ils en font, mais là, pas aujourd'hui, mais ils en font. Et donc, oui, on aura une vidéo. Ils vont capter la conférence. Et du coup, je pourrais vous envoyer les liens. À l'espace ce jour-là. Oui, mais c'est pas diffusé en streaming. Non, là, non. Là, c'est sur le manifeste de l'industrie. C'est ouais, on va démarrer. L'avenir de l'industrie avec Gabriel Politis. Ah oui, Gabriel Politis. Voilà, que tu connais bien. Ouais. Ça, c'est le mardi 29. Le mardi 29, donc c'est de 18h30 à 20h30. Et en fait, mais t'as le lien Facebook. L'année dernière, on avait bien commencé, on était une bonne dynamique. Et après, il y a eu une dynamique de grande grève. Et puis après, il y a eu tout fini. Et en fait, on a pu en tenir en grand faire. On en a fait 3-4 avec ce que depuis septembre dernier, au reste de nous. Et ça, ça sera le samedi. Donc voilà. À la reprise. Et là, c'est la deuxième saison. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc au grand auditorium de la médiathèque de Toulouse pour ce premier rendez-vous de l'actualité qui se déroule en fait tous les deuxièmes vendredis du mois au pôle actualité normalement, donc au rez-de-chaussée. Mais pour des raisons techniques et logistiques, l'endroit où nous faisons les rencontres d'habitude est occupé. Donc pour le moment, nous le faisons donc au grand auditorium. Voilà. Donc pour rappel, les rendez-vous de l'actu, c'est quelque chose qui a démarré l'année dernière et nous essayons du coup tous les mois d'organiser un débat avec des invités qualifiés pour éclairer, décrypter un fait d'actualité. Voilà, vous ne retrouverez pas des débats que vous retrouverez sur CNews ou BFM, c'est des choses où on va essayer de laisser parler les gens et de transmettre de l'information et de la connaissance du coup aux gens qui y assistent. Donc aujourd'hui, le thème pour démarrer cette nouvelle saison, c'est Airbus, l'avenir d'Airbus, c'est la filière aéronautique dans son ensemble. Et on a posé une question, c'est doit-elle se mettre au vert pour survivre? Puisqu'avec le Covid, on va le développer, il y a quand même du coup un coup d'arrêt qui a été donné au secteur aéronautique. Et est-ce que du coup le développement de nouvelles technologies durables, etc., peut donner un avenir à ce secteur qui, on le verra, mais pour beaucoup semble compromis. Mais on va en discuter. Pour en parler, du coup, on a deux invités. Xavier Petracchi, qui est donc
délégué syndical CGT Airbus et que je vais laisser se présenter plus en détail. Donc Xavier Petracchi, donc je suis effectivement syndicaliste à la CGT au sein d'Airbus, mais je représente aussi dans cette conférence le Manifeste de l'Industrie. C'est une association qui a été fondée par un économiste toulousain qui s'appelle Gabriel Colletis. Et donc, en fait, j'ai un peu les deux casquettes ce soir. Donc, merci, Xavier. Et du coup, notre deuxième invité, qui est Sébastien Rostand, et qui est notamment membre de l'association Supaéro Décarbo, que je vais laisser Sébastien présenter plus en détail tout ça. Donc, Supaéro, vous connaissez, je pense, c'est l'école, la grande école aéronautique toulousaine. Et en fait, Supaéro Décarbo, c'est une structure associative un peu informelle pour l'instant. Ça a un an, ça a été créé un peu plus d'un an par des ingénieurs donc de Supaéro, globalement de ma promo et de celle d'avant, pour être clair. Au départ, il y a une dynamique de copains qui s'est créée pour dire il y en a marre de ce monde. Alors que c'était bien avant le Covid, hein, et c'était pour dire il y en a marre d'avoir une vision industrielle qui nie carrément ou qui ne fait abstraction des enjeux de climatique. Prenez une idée, à Supaéro, quand on a créé il y a un an et demi la structure, il y avait 40 heures de cours facultatifs sur les enjeux de climatique à Supaéro. Moi, je suis promo 2001, à l'époque, il y avait zéro heure. Je suis parti aux États-Unis, j'ai étudié un semestre la climatologie et je passais pour un extraterrestre. Et c'était des enjeux qui n'existaient pas et qui, jusqu'à l'année dernière, n'existaient pas. Donc l'idée de Supaéro Décarbo, c'est de créer un peu un lobbying sur ces questions-là, on va dire. En tout cas, de la sensibilisation et avec une expertise un peu technique. Avec les premiers résultats, rien qu'à Supaéro, aujourd'hui, maintenant, à la rentrée de cette année, c'était 140 heures obligatoires sur les enjeux climatiques. Et c'est même, ils commencent par ça, dans l'intégration des nouveaux élèves. Et donc voilà, c'est pouvoir faire en sorte qu'on intègre ces enjeux-là dans la logique de développement de cette industrie et en lien avec le Shift Project, donc qui est, une forme, je ne sais pas, c'est pas vraiment un organisme de recherche, mais en tout cas, c'est une structure, pareil, qui fait un peu de lobbying, mais qui va aussi faire un travail rationnel, scientifique, sur des questions d'enjeux climatiques, et on est en lien avec eux, puisqu'on alimente aussi leur réflexion scientifique. Voilà. Donc, merci. Et je suis aussi ingénieur à Airbus, au cœur du sujet, et il se trouve que je suis également membre, représentant du personnel au sein des instances du groupe Airbus, donc au courant un peu de ce qui se dit, de ce qui se fait au cœur du sujet. Quelle filière d'Airbus ? Alors moi je suis de la filière spatiale, d'accord. Mais on est dans le groupe, je suis rattaché aussi du coup au groupe, donc je suis en ce moment malheureusement le plan social global d'Airbus. Voilà. Donc merci pour cette présentation, on va y en venir sur tout ça. Donc comment ça se déroule ? On essaye de se ménager une heure pour présenter un petit peu tous les enjeux et faire un peu le tour. Et après une demi-heure, puisqu'on arrive vers 19h30, une demi-heure d'échange de questions-réponses sur les sujets qui ont été abordés pendant le développement. Alors pour commencer, avant de parler de tout ça, il faut quand même parler de la filière aéronautique à Toulouse. Et puis surtout, du secteur aérien. Qu'est-ce qu'il était avant le Covid ? Et puis, qu'est-ce que ça a arrêté ? Et en fait, est-ce qu'on va pouvoir retrouver les prévisions qui étaient celles de fin 2019 ? Ou est-ce qu'il faut complètement changer de logiciel ? Et donc pour ça, Xavier Petracchi nous a préparé quelques diapos. On ne va pas faire une présentation conférence magistrale, mais voilà, il est important de poser le cadre. Voilà, donc moi j'ai fait un peu à l'ancienne, j'ai essayé de mettre ça sur quelques planches, mais ça va aller très vite. Juste pour dire en premier lieu ce que représente l'industrie aéronautique dans notre région, parce que vous savez que donc avec le manifeste pour l'industrie, on a répondu à une tribune qui a circulé sur syndrome Détroit, l'aéronautique serait-il syndrome Détroit à Toulouse. Donc ça fait quand même poser des questions sur les enjeux de l'aéronautique dans notre territoire. Alors juste pour rappeler, Détroit, c'est une ville américaine qui était en mono-industrie automobile, General Motors je crois. Tout à voilà. Fait. Et qui donc, pour plein de choix stratégiques, plein de raisons, a complètement coulé et a perdu presque 1 million d'habitants en un peu de temps. En 20 ans. Quoi. Voilà. Je vous conseille le film de Moore, je ne sais plus son prénom. Michael Moore. Michael Moore, voilà, qui avait fait un film sur la dernière voiture qui sortait des usines General Motors, c'est de savoir comment les ouvriers étaient devenus. Donc il y avait des ouvriers qui étaient en prison.
et des ouvriers qui étaient des gardiens de prison et ils jouaient aux cartes comme ils étaient à l'usine. Enfin, ça, c'est la petite histoire. Donc, j'espère que sur Toulouse, on ne va pas vivre ça. Mais pour dire que, voilà, ça interroge tout le monde, la société, qu'on soit, bien sûr, salarié, qu'on soit non salarié de l'aéronautique, qu'on soit économiste, qu'on soit chercheur, ça interroge. Et ça interroge parce qu'effectivement, on est dans une région où l'impact de l'aéronautique pèse énormément dans notre industrie. Donc ça, c'est les chiffres du GIFAS, que le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, sachant que ces chiffres-là ne prennent pas en compte les salariés qui sont au service des entreprises, qu'on appelle les SS2I. Voilà, ça, c'est uniquement les entreprises qui sont reliées au GIFAS. Donc dans la région, ça pèse 27%, c'est quand même assez considérable. Grosso modo, ça ce sont les chiffres donc 2017, donc en 2018 et 2019 c'est à peu près pareil, c'est un peu plus, c'est 62 milliards de chiffres d'affaires par an. Donc ça veut dire que l'aéronautique, ça pèse énormément, d'ailleurs ça pèse énormément dans la balance commerciale, sachant que la partie de recherche et développement, ça aussi ce sont des chiffres GIFAS, c'est 12%. Alors on verra tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait vrai au sein d'Airbus, c'est une moyenne ça, 12%. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est que les activités militaires qui ont fait quand même les gordées chaudes de l'aventure aéronautique représentent aujourd'hui 22% de l'ensemble du chiffre d'affaires de l'aéronautique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont bien les activités civiles qui sont majeures par rapport aux activités militaires. Le marché, juste deux, trois planches pour finir, le marché en fait de l'aéronautique civile, moi, je vais vous parler des avions, je ne vais pas vous parler du spatial, se divise en trois secteurs et on pourrait retrouver la famille de Boeing exactement à l'identique. On a une famille donc, qui est des courts courriers, une famille moyen courrier et une famille long courrier. Et donc aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a plus la 380, évidemment. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, Airbus en fait, est sur l'ensemble des trois segments, sachant qu'aujourd'hui, on est sur une projection de 40 000 avions, ça c'est bien sûr avant Covid, hein, 40 000 avions à faire d'ici 20 ans, voilà, à peu près. Donc c'était 2038 parce qu'en fait, les chiffres ont été sortis en 2018. Donc si vous voulez, en 2019, c'était grosso modo la même tendance, évidemment. Mais cette étude, en fait, date de 2018, donc c'est pour ça que c'était se projeter 20 ans après. Mais c'est à peu près donc 40 000 avions, sachant que dans ces 40 000 avions, il y a une partie, bien sûr, qui est liée au renouvellement de la flotte et une partie qui est liée à l'augmentation du trafic aérien. Et c'est ça qui nous importe par rapport à ça. C'est des chiffres dans le monde, c'est un marché mondial. Oui, bien sûr, c'est un marché mondial. Non, tout à fait. C'est pas le marché toulousain, quoi. Non, ce n'est pas le marché toulousain, ouais, tout à fait, on est bien d'accord. La question qui se posera aussi pour Toulouse, c'est la part que Toulouse ou que l'Europe, la France, aura dans un marché mondial aussi. Ça influence la production toulousaine. C'est aussi important. On pourrait imaginer, par exemple, que un marché mondial diminue, mais la part toulousaine augmente tellement que le marché toulousain, lui, augmente. Et inversement, je pense qu'on en parlera, l'inverse peut arriver aussi. Donc on en reparlera peut-être un tout petit peu après. Ouais, alors, juste, je finis sur les quelques tendances. Donc, toujours avant Covid, évidemment, c'est que le marché mondial donc, se divise en fait en régions. Ça, vous le savez sûrement. Et donc, les trois régions majeures sur les demandes de renouvellement d'avions, c'est l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc sur ces trois régions, c'est 77% du marché mondial. C'est-à-dire que ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Amérique du Sud, voire ce qui se passe un peu en Australie, encore que l'Australie, je pense, est comptée dans l'Asie-Pacifique, donc c'est surtout l'Afrique et l'Amérique du Sud, quel que soit en fait, l'impact du Covid sur le trafic aérien dans ces deux régions-là, ça n'a pas d'influence sur le marché mondial. L'influence du marché mondial, et c'est bien ça qu'il faut voir un peu pour répondre aux différentes tribunes qui disaient qu'il n'y avait plus d'avions au-dessus du ciel toulousain, vous voyez bien que l'activité aérienne se passe pas forcément au-dessus de Toulouse. Effectivement, pour répondre à Sébastien, ça se passe en Asie. Et donc, quand on voit la reprise du trafic aérien, elle se fait justement en déplacement du Covid.
Donc en Asie, on a vu qu'il y a eu un arrêt. Maintenant, ça repart quand vous regardez l'application Flight Radar 24, là, 24. Eh bien, vous avez l'Asie-Pacifique, c'est noir. Vous avez les États-Unis, c'est noir. L'Europe, c'est gris, on va dire ça comme ça. Donc on voit bien qu'il y a quand même une reprise du trafic aérien. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que, alors ça, ce sont bien sûr des sources Airbus que je vous ai mis là, c'est le fait que l'évolution du trafic aérien n'a pas été affectée par les crises. Que ce soit les crises du pétrole, que ce soit la crise du SRAS, c'est-à-dire qui ressemble un peu au Covid, ou que ce soit la crise de la guerre du Golfe, ou la crise financière de 2009. On voit qu'il y a eu forcément un impact très rapide suite à ces crises-là, on le voit sur le graphique, mais la tendance, elle a continué à évoluer. Donc on a une croissance du trafic aérien qui est aussi entre 3 et 5%, et ça continue, quelles que soient les crises. Donc on verra si, avec la crise du Covid, évidemment, cette tendance se confirme. Mais, et c'est là-dessus qu'en fait, les deux avionneurs, que sont Airbus et Boeing, font leurs projections sur le nombre d'avions à produire dans les 20 prochaines années. Voilà. Et là, on est après Covid, donc peut-être que je peux m'arrêter là pour cette... Là, oui, c'était les projections quand tout allait bien. Là, ce qu'on vient de voir, voilà, sur les projections trafic. Et juste, oui, pour revenir sur le marché mondial, c'est vrai que Boeing a eu d'autres soucis juste avant le Covid. Et donc, c'est vrai que, est-ce que Airbus pourrait prendre, disons, la totalité d'un gâteau plus petit ? Enfin, aujourd'hui, il y a un duopole, enfin, il y a deux gros producteurs d'avions, donc Boeing et Airbus, d'ailleurs, qui ont une consolidation, parce que Boeing, Airbus a racheté Bombardier, donc ce qu'on appelle l'Airbus A220, c'est l'avion Bombardier canadien, et Boeing était en discussion avec Embraer, avec les avions de cette catégorie-là, côté brésilien. Donc il y a une consolidation, la Chine arrive en puissance, aujourd'hui la Chine, enfin, de la dynamique qu'elle a, va être le troisième acteur, voilà. Mais aujourd'hui, si on prend l'impact Covid, et pas que Covid, l'impact, on va dire, courant actuel 2020, Boeing a un problème, c'est que son avion phare, l'avion qui concerne la plus grande partie des commandes, qui sont l'équivalent de la 320, est cloué au sol pour les ondes techniques, c'est le 737 MAX, il ne vole toujours pas. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas forcément mono-industrie à Toulouse, mais on est surtout dans l'industrie aéronautique quasiment monoproduit. Alors, en tout cas, le produit A320 représente plus de 50% du chiffre d'affaires, et donc ça, c'est un enjeu, parce que s'il est cloué au sol, comme l'est la 737 MAX, là, c'est la catastrophe. Depuis le début de l'année, alors ces chiffres ils sont maintenant publics, ils sont dans la presse, donc on peut les donner, il y a eu plus de 300 commandes nettes à Airbus, c'est-à-dire il y a quelques annulations, et le solde est de près 300 commandes depuis le début de l'année, ce qui est à peu près équivalent à l'an dernier en commandes. Boeing, par contre, c'est moins 860 avions. C'est plus 300 commandes par rapport à l'année dernière ? Non, c'est, en fait, on a les commandes, en fait, il y en a qui sont annulées. Donc, il y a eu une vingtaine, une trentaine d'annulations et plus de 300 commandes, donc achats. Il y a eu une production qui a été ralentie à cause aussi du confinement. Donc, une production qu'on estime... Bon, on en reparlera, mais globalement, aujourd'hui, on a un carnet de commandes aujourd'hui qui est plus élevé que le carnet de commandes au 1er janvier, alors que Boeing a un carnet de commandes de à peu près un millier d'avions en moins. C'est à peu près 100 milliards de carnet de commandes perdus chez Boeing. Donc, on voit que l'impact aujourd'hui de la situation liés à différents phénomènes, fait que on n'est même plus dans la même comparaison entre Boeing et Airbus. Il n'y a plus aujourd'hui quasiment que Airbus sur le marché. Mais c'est très temporaire, c'est en 2020, on verra comment ça évolue. Mais on comprend vite que on n'est pas dans le même, on n'est pas dans la même situation. Alors malgré, parce qu'on va faire le point du coup, c'est bien d'avoir rappelé la situation de Boeing, peut-être on ne va pas parler de Boeing ici, mais ils sont en difficulté avant et donc là encore plus. Mais du coup, ce qui est surprenant, c'est que Airbus a quand même enregistré des commandes malgré la crise du Covid. Alors c'est paradoxal et en même temps, en fait, aujourd'hui Airbus, sur l'année 2019 et sur l'année donc 2020, effectivement, a gagné essentiellement toutes les commandes, notamment sur le single aisle. Donc c'est le premier et le deuxième marché, puisque en fait dans la famille A320, on a aussi du moyen et du court courrier, on a un peu les deux, puisqu'on a une famille qui transporte un peu plus de passagers avec notamment la 321. Et d'ailleurs, notre PDG
dit souvent que l'A320 XLR que vous allez entendre parler un peu dans la presse sera l'avion de demain, l'avion de la relance. Aujourd'hui, Airbus ne fait que gagner des marchés dans la mesure où Boeing n'est pas en capacité aujourd'hui de faire voler son avion, le 737 MAX. Donc ça handicape Boeing. Il n'y a pas eu pour l'instant vraiment de report de commandes de Boeing vers Airbus. Par contre, il y a des compagnies aériennes qui ont annulé très très fortement les 737 MAX, y compris avec aussi des pénalités pour Boeing et tout ça, et qui commencent à faire des reports, mais c'est vraiment, je pense que les 300 commandes du début d'année sont effectivement des reports du fait que Boeing ne peut pas livrer ses avions. Alors, il semblerait que Boeing risque de faire revoler son avion à la fin de l'année. On entend aussi des déclarations de certaines compagnies aériennes, notamment les plus importantes, qui demandent à Boeing de partir sur un nouveau programme et d'abandonner le MAX. Donc, on verra ça dans les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, effectivement, pour confirmer ce que dit Sébastien, Airbus est dans une autre situation que Boeing, puisque un carnet de commandes, je vais y venir juste après, qui est stabilisé, voire qui s'est conforté. Des livraisons qui ont malgré tout reprises, avec, on peut le dire aussi, les chiffres sont quasiment officiels, pratiquement 500 avions qui seront livrés en fin d'année, c'est quand même pas rien, et donc une trésorerie qui va redevenir non pas positive, mais au moins à l'équilibre. 500 avions livrés en temps normal, avant Covid. En 2019, on a livré 880 avions. C'était un chiffre complètement dingue, exceptionnel, qui même était presque gênant, parce que c'est presque trop. Le trop, c'est la direction qui est prononcée à ce moment-là. 500, c'était des choses un peu plus normales qui représentent ce qu'on avait au début des années 2010. Voilà. Et juste, tu posais la question, pourquoi les gens continuent à commander? Il faut comprendre que ce n'est pas comme une voiture qu'on commande et qu'on est livré 6 mois après. Là, comme le carnet de commandes est énorme, ça se compte en années. C'est-à-dire qu'il y avait des commandes qui étaient censées être livrées dans presque 10 ans, dans 7 ou 8 ans. Et donc, évidemment, ils savent très bien que ces commandes-là n'ont pas besoin d'atténuer parce que le Covid, a priori, ne sera plus un enjeu dans 7 ou 8 ans. Et même une commande qui est passée aujourd'hui, qui est passée en 2020, l'avion ne va pas être livré à la fin d'année. Il va être livré peut-être dans 8 ans, peut-être avant, s'ils ont payé un peu. Mais a priori, c'est plutôt en queue de stockage, de commandes. Et donc, ils vont être... ils sont dans une perspective d'évolution positive de leur trafic aérien. Alors avec tout ce qu'on vient de dire... Et de remplacement d'avions aussi. Parce qu'il y a quand même un tiers qui est du remplacement d'avions pour avoir des avions, et donc on y verra, qui sont aussi plus économes et donc plus écolos. Bah, avec ce qu'on vient de dire, enfin, je vais faire le bête, mais pourquoi on s'inquiète alors? Parce qu'on a 10 ans devant nous, ça continue de commander malgré le choc Covid, on a l'impression que le monde d'après, c'est pas du tout... Ça sera pareil. Je ne sais pas. En tout cas, moi, on va regarder les chiffres après, chacun a ses opinions, mais bien sûr, on dira la nôtre. Enfin, au moins, je dirai la mienne. Après, Sébastien dira la sienne. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quand même sur l'impact du Covid, puisqu'on est là aussi pour en parler, le fait que les compagnies aériennes, du jour au lendemain, ont arrêté... quand j'ai sorti ces planches-là, en fait, on était à 50%, mais très vite, on est passé à 90%. Effectivement. Donc c'est beaucoup plus même sur certaines compagnies aériennes. Ça dépend si on est low cost ou si on est compagnie classique, puisque la tendance n'est pas tout à fait la même. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule qui est vraiment très très bien là-dessus, qui montre des chiffres de IATA, de l'OACI, etc. et qui montre justement cette tendance pendant l'été où on a vu que les low cost avaient mieux résisté que les compagnies classiques. Voilà, sachant que dans les compagnies classiques, Air France a mieux résisté par exemple que Lufthansa. Enfin, voilà. Donc il y a quand même des choses qui se font pas tout à fait de manière égale au niveau des compagnies aériennes, mais les low cost en fait s'en tirent mieux et donc elles ont baissé plus brutalement, mais cet été elles sont reparties. Mais grosso modo, sur les 21 000 avions donc exploités, il y en a quand même 14 000 qui ont été immobilisés et qui le sont à peu près. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque cet été, c'est un peu moins, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 50% des avions qui ont revolé, mais on voit quand même que la moitié de la flotte, en fait, est stockée. Mondiale est stockée. Voilà, et donc tout le monde se pose la question du déstockage des avions et de dire, est-ce que les compagnies vont en fait demander des avions neufs alors qu'il y a tous ces avions qui sont stockés? Alors là aussi, il y a des réflexions de dire, dans ce stockage d'avions, est-ce que certains pourraient être mis au rancard,
Donc il y a des propositions, notamment du Chief Project, qui propose, et ça a été repris par le manifeste de l'industrie, le fait de sortir de la flotte un tiers des avions qui sont les plus anciens, donc qui polluent le plus, etc., et donc qui seraient déstockés, mais déstockés pour être démantelés, et justement que le remplacement de la flotte se fasse par des avions neufs qui sont moins gourmands en kérosène, et qui sont, voilà. Donc ça, c'est une des premières réflexions. Juste pour finir sur les quelques chiffres, c'est que ce scénario rebond, il est différent si on parle de la 320 ou si on parle de la 350. Donc si on parle en fait des courts courriers ou si on parle des longs courriers. Et c'est ça qui se passe au niveau des compagnies aériennes, y compris au niveau de leur modèle économique. Donc comme je le disais, les compagnies low cost exploitent majoritairement, enfin, même exclusivement, des courts courriers, donc des A320 ou des 737, classiques, hein, pas le max évidemment. Et donc, en fait, c'est ça qui vole aujourd'hui, à 70%. D'ailleurs, quand vous regardez l'application Flyradar, il n'y a que ça qui vole. Les compagnies qui utilisent en fait des longs courriers, comme Air France, Lufthansa et bien d'autres, là, c'est plus compliqué. Et donc, en fait, le scénario rebond, et nous, les stratégies qu'a eu Airbus de diminuer les cadences, elle a été différenciée en fonction du 320 ou en fonction donc des avions long range, c'est-à-dire le 330 ou le 350. Voilà un peu en fait ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Et puis après, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais après, bon, il y a l'impact direct du Covid, notamment sur les sur le côté, le volet social. Oui. Oui. Sur la question de l'inquiétude, en fait, alors je réponds directement à mon avis. L'inquiétude, elle est normale à très court terme sur la Covid, mais il faut voir les enjeux plus sur un moyen et long terme. Sur le court terme, on est aujourd'hui le 11 septembre 2020, ce n'est pas une date comme une autre, puisqu'en fait, en plus, je l'ai dit, j'étais promo 2001, short d'école en 2001, 11 septembre. Les gens ne se souviennent pas, mais le 11 septembre, le jour du 11 septembre, les avions ne volaient plus. En tout cas, aux États-Unis, il n'y avait plus un seul avion qui volait, sauf celui d'Oussama Ben Laden pour rentrer dans son pays, enfin de sa famille plutôt, excusez-moi. Mais il y avait effectivement un arrêt quasi total pendant quelques jours du trafic aérien. Il y a eu une crise majeure. Il y a des gens qui se posaient la question de savoir si les gens reprendraient l'avion, parce qu'il y avait quand même une. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait la guerre du Golfe aussi, où tout ce qui était vols internationaux était arrêté. Donc effectivement, à partir du moment où les frontières sont fermées, mais ce n'est pas aujourd'hui un modèle qu'on voit au-delà de la crise de Covid, et il pourrait y avoir d'autres crises encore, qui n'ont rien à voir avec une crise sanitaire, qui pourraient fermer des frontières et poser des soucis. Aujourd'hui aussi, le marché, il va être dans certains pays, certaines zones, qui va être intérieur. Les États-Unis, ils peuvent faire des vols intérieurs sur du moyen courrier, la Chine aussi, l'Inde, l'Indonésie a prévu 400% d'augmentation du trafic aérien dans les projections. Pourquoi ? Avant Covid, parce que c'est une péninsule. Non, mais ça continue. Et eux, ils peuvent avoir leurs frontières fermées, ils continueront les îles en île en avion, dans leur modèle de développement, parce que, alors on en parlera après, comment fonctionne le trafic aérien, pourquoi est-ce qu'on vole, mais il y a des modèles de développement, effectivement, qui s'affranchissent d'une frontière fermée, et même dans certains cas, en termes de production, les Airbus ont produit aussi en Chine et aux États-Unis. Aux États-Unis, ils avaient annoncé la fermeture des frontières le début du confinement, et ils ont inauguré une chaîne de production quelques jours après. Pourquoi ? Parce que de toute façon, pour eux, c'était une chaîne de production pour un avion qui va voler au sein du pays, donc il n'y avait pas de problème de livraison, de quoi que ce soit. Donc voilà. Par contre, l'enjeu et l'inquiétude, en tout cas nous, à ce bureau des carbos, on ne s'est pas créé par rapport au Covid. Je pense que manifeste de l'industrie non plus, je pense qu'il a commencé à réfléchir avant. Et c'était, c'est par rapport à la décarbonation, par rapport au fait qu'il y a une crise qui va arriver, c'est qu'aujourd'hui les avions ils volent au kérosène, et le kérosène n'est pas une ressource éternelle. Donc je citerai un jeune ingénieur super-héros qui disait, moi aujourd'hui je me projette en disant que si je commence une carrière dans l'aéronautique, je la finirai dans autre chose, parce que dans 40 ans, en fin de carrière, les avions ne voleront plus. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que peut-être qu'ils vont pas voler, qu'il y aura zéro avion pendant quelques jours ou 50% d'avions pendant un an ou deux, mais il y a une projection d'avoir, s'il n'y a plus de pétrole, quasiment plus aucun avion, en tout cas plus tous les mêmes modèles économiques d'aéronautique dans 20 ou 30 ou 40 ans. Et des enjeux qu'on doit avoir sur un territoire, c'est de voir sur ces échelles-là. Donc finalement, Covid ou pas Covid, la question du vert et de la décarbonation, elle est immédiate, parce qu'on est sur des processus industriels très longs. Tout à fait. Pour changer.
et ça peut être l'occasion de le faire, du coup. Et du coup, voilà, ça peut être l'occasion de le faire, parce que, voilà, je vais finir, on va finir là-dessus. Vu qu'à Toulouse, on est sur une, comme vous le disiez, une mono-industrie, l'impact social, si voilà, y a des crises qui s'enchaînent dans l'aéronautique et qu'à long terme, de toute façon, ça n'a pas d'avenir, selon vous, voilà, quel est l'impact sur le territoire, du coup, en termes sociaux ? Voilà, c'était... parce que, bien sûr, je pense que le Covid a accéléré le processus sur le fait qu'on s'interroge sur le fait de faire des avions, on n'a plus finir. Je pense que le Covid a peut-être mis en lumière l'utilisation, la façon d'utiliser l'avion et tout. Ceci étant, il y a quand même un impact social et économique très fort. Donc on ne peut pas non plus réfléchir qu'en termes d'évolution technologique, de sobriété, de transformation environnementale, sans se poser la question de l'emploi, des conséquences économiques, parce que bon, je veux bien que on a aussi, enfin, l'emploi industriel, c'est quand même, c'est aussi ce qui nous fait vivre, notamment dans la région Occitanie, mais au-delà. Et donc justement, les industriels, ils raisonnent vraiment à très court terme. Justement, ils se posent pas. Justement, la différence, enfin, en tout cas, la question que l'on se pose vis-à-vis des industriels, c'est justement, est-ce qu'ils ont une réflexion à long terme? Eux, la réflexion, c'est de dire, voilà, on diminue l'activité pour l'A320, donc de 30%, l'A350 de 40%, donc on est passé d'une cadence 60 à une cadence 40, et pour l'A350, on est passé d'une cadence 10 à une cadence 6, tout ça c'est par mois évidemment, et donc la conséquence c'est suppression d'emplois, donc 15 000 dans le monde, ce qui fait que sur la France c'est 5 000, sur Toulouse c'est 3 600 postes qui sont supprimés, y compris au sein d'ATR et de la filiale Airbus qui s'appelle Stelia. On a des négociations, il y a d'ailleurs un négociateur dans la salle, il pourra intervenir sur le fait que ce plan de sauvegarde de l'emploi s'accompagne aussi de négociations liées bien sûr aux mesures d'accompagnement du PSE, mais aussi liées en fait à des mesures d'activité partielle longue durée, mais avec, on s'interroge sur la modification des heures de travail, sur les conditions justement de travail, et puis derrière c'est bien sûr l'accord de performance collective, hein, on a beaucoup vu de Richebourg, puisque c'est eux qui ont annoncé en premier, là je mettais 160 salariés qui ont refusé cet APC, mais en fait je crois que ça a augmenté depuis, on est presque à 200. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, les entreprises, soit elles font des PSE, soit elles font des APC. Et pourtant, le gouvernement a rallongé en fait les mesures de l'activité partielle longue durée. Donc, malgré les activités partielles longue durée, donc où l'entreprise quand même perçoit des aides de l'État, ça n'empêche pas toutes les entreprises du secteur. Donc là, j'ai cité que ce soit de la métallurgie ou des services aux entreprises. Vous avez Expléo, c'est l'ancien Assystem, les ateliers Haute-Garonne, Atos, c'est aussi services aux entreprises, les Syntec, hein. Capgemini aussi. Bon, toutes ces entreprises du secteur, toutes annoncées ou un PSE ou des accords d'APC, malgré le fait qu'elles peuvent utiliser les dispositifs, ce qu'on appelle en raccourci la PLD. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un fort impact, et puis il y a un fort impact aussi, je le disais, on est quand même un territoire très impacté par l'aéronautique. Toutes les entreprises qui ont pignon dans leur territoire ont annoncé aussi des PSE. Donc dernièrement, c'est Figeac Aéro qui supprime un tiers de ses effectifs. C'est l'ISI, donc c'est pour ceux qui connaissent Blanc Aéro, qui a annoncé un APC. En fait, les syndicats l'ont refusé. Donc aujourd'hui, ça se transforme peut-être en modification des conditions de travail avec les horaires, etc. En Ariège, Aubert et Duval, pour ceux qui connaissent à Pamiers, c'est la seule boîte qu'il y a en Ariège. Ils annoncent une cession. Eux, carrément, ils sont vendus. Et Daher, dans les Hautes-Pyrénées, qui était l'ancien Socata, annonce aussi un PSE de grosso modo un tiers des effectifs. Donc c'est vraiment toute la région qui est impactée. C'est pas que Toulouse avec Airbus. Et ça pourrait n'être qu'un début, en plus. Comment ? Ça pourrait être qu'un début. Alors espérons que ça va. Pour les plus pessimistes. Bon, il y a quand même des. Mais une boîte a besoin d'avoir une trésorerie à un moment donné. Oui. Et donc si même s'il y a potentiellement une boîte pourrait avoir un chiffre d'affaires comme Airbus de 5000 avions, je crois, 10 ans de carnet de commande, ouais. Mais si elle n'a pas de trésorerie, couler. Et c'est des boîtes qui coulent, les PME souvent, qui sont dans cette situation-là. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un danger à court terme aussi pour ces boîtes. Après, moi, je reprends sur la question de la décarbonation, c'est que
c'est que si le vrai problème, c'est qu'en supprimant des postes, ça exclut quasiment tout, envisagé en tout cas à court terme, d'investir ou de faire de la recherche, de travailler sur un mode de transport ou sur un avion décarboné, ou en tout cas qui entre, qui prenne en compte les enjeux climatiques. Il les faut des salariés pour ça. Il faut imaginer qu'un avion, effectivement, un nouvel avion de gamme que présentait Xavier, c'est des milliers d'ingénieurs et de techniciens, avant même la production, pour travailler dessus. Mais justement, on a vu du coup l'implication, l'intrication de toute cette filière sur tout le territoire. Voilà, on parle depuis tout à l'heure de décarbonation, de peut-être d'opportunités qu'il va falloir s'y mettre de toute façon, puisqu'il n'y aura plus de kérosène. Donc ça me permet de faire la petite transition vers une petite deuxième partie. C'est quoi la décarbonation dans l'aéronautique? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Déjà, c'est quoi la carbonation? C'est-à-dire que on disait quels sont les enjeux climatiques de l'activité aéronautique en général. Donc c'est évidemment avion civil et militaire. Ça serait bien d'avoir un monde où il n'y a pas que des avions militaires qui volent. Parce que je suis sûr que si tous les avions civils sont au sol, il y en aura toujours des militaires. Quand je disais que les avions étaient cloués au sol en 2001, il y avait encore les avions militaires qui volaient, ne vous inquiétez pas. S'il reste quelques gouttes de kérosène, ce sera pour ça. Donc le souci, c'est qu'effectivement, on ne soit pas dans un monde où il n'y a que de la force militaire qui vole. Il y a aussi le spatial, même si le spatial, le coût le climatique, il n'est pas le même, très, très probablement. On ne connaît pas aujourd'hui le pourcentage d'équivalent CO2 lié à l'aéronautique. C'est fou, mais on ne le sait pas. On a des chiffres qui varient entre 2% et plus de 10%. Et encore, c'est en global. Alors pourquoi? Parce qu'on va prendre l'ensemble du kérosène qui est brûlé, ça c'est facile. Est-ce qu'on tient en compte ou pas? Et il faudrait tenir compte aussi du coût de production, c'est-à-dire qu'il y a un coût énergétique, il y a un coût CO2 équivalent de production. De même, une voiture électrique va peut-être brûler zéro kérosène, mais on le sait, aujourd'hui, elle a en production l'équivalent de plus de 100 000 km l'équivalent d'une voiture normale plus 100 000 km de kérosène en surplus lié aux batteries, à des surcoûts énergétiques. Donc l'avion, il faut en tenir compte. Donc ça augmente le chiffre. Il n'y a aucune étude aujourd'hui. Il y a des études, mais elles sont selon qui l'a fait et selon quelles hypothèses on met. Ensuite, on va calculer le nombre de kilomètres qui volent. Donc, à la France, on pourrait dire voilà, mon coût climatique, je prends tous les avions qui volent au sein de la France. Par contre, quand je fais un Paris-Berlin, moi, je ne le compte pas. Je laisse ça aux Allemands. Puis les Allemands disent non, moi, je ne le compte pas. C'est les Français. Et donc, si effectivement, dans les vols internationaux, et c'est le cas dans certains calculs, on ne tient pas compte des vols internationaux, ce n'est pas mon problème. En plus, le carburant, il vient d'ailleurs, etc. Donc, on est sur une logique où on va diminuer les chiffres. C'est pour ça que ça peut passer de 2 à 4, voire à plus. Alors, il y a un autre enjeu aussi, c'est que là, on parle que du kérosène, mais il y a eu pas beaucoup d'études, très peu d'études par rapport à l'enjeu qu'il y a quels sont les autres impacts. Il y a un chercheur allemand qui a fait une étude qui a été publiée et qui est considérée comme valide, qui est qu'on peut doubler l'impact climatique lié au fait que, dans certaines situations, quand vous levez les yeux au ciel, vous voyez les fameuses traînées de vapeur d'eau. Voilà, c'est la vapeur d'eau en fait, qui est issue des moteurs et qui va un peu se condenser, lié au fait qu'il y a aussi des particules en fait, qui font condenser. Pour avoir la vapeur d'eau, il faut des particules et de l'eau. Dans certaines situations, vous voyez le ciel qui devient tout blanc. Il devient tout blanc à cause, en fait, donc c'est des cirrus de haute altitude à cause de ces avions-là, parce qu'en fait, ça va cristalliser et ça va se répandre, ça va faire un effet de chaîne. Et donc ces cirrus-là ont un impact important en termes de réchauffement climatique. Et d'après ce chercheur, ça peut multiplier par 2. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on pourrait aussi, on en parlera en solution, diviser par 2 l'impact climatique réel. Parce qu'en fait, c'est simplement, il suffirait de faire voler les avions lorsqu'il y a une météo défavorable, les faire voler à certaines altitudes différentes, plus basses ou plus hautes, souvent plus bas, pour éviter en fait, d'avoir, surtout quand c'est des courts courriers, on peut les faire voler un peu plus bas, quitte à avoir une légère surconsommation. Donc, aujourd'hui, c'est des aspects purement réglementaires, donc hors technologie. Mais on a des incertitudes qui font qu'on ne sait pas. On sait que ce n'est pas 2%, c'est sûr. 2%, c'est des hypothèses qui sont hypocrites. Mais ça va varier entre 4 et 10%. 10% de la part mondiale du réchauffement climatique lié à l'homme. D'accord. Il faut quand même imaginer.
Donc c'est quand même non négligeable. Oui. C'est pour ça que c'est normal de s'interroger aujourd'hui sur l'impact de l'aéronautique, du trafic aérien sur le réchauffement climatique. Ce n'est pas pouillé-mesque. Et je finis. Oui, oui. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de le voir au niveau, ça c'est au niveau global. Mais ça ne va pas être réparti de la même manière. L'Afrique, par exemple, va contribuer, elle, sur ces 10%, à pas la même chose que l'Europe. Et l'Europe, ça sera, ou en France, ça ne sera pas pareil. Le département de la Lozère ne va pas avoir le même en proportion d'habitants qu'un Parisien. Un Parisien, pour Paris, par exemple, l'étude de la mairie de Paris, je crois, estime à 15% ou plus, même, je crois, la part aérien de son bilan CO2. C'est-à-dire que eux, dans leurs hypothèses à eux, et encore, je ne suis pas sûr qu'ils comptent les vols internationaux. Mais ils ont, parce qu'en fait, les Parisiens, en moyenne, prennent beaucoup plus d'avions qu'un Français moyen. Et du coup, pour décarboner, comment on s'y prend ? On restreint les vols, on met des trains à la place des avions quand il y a moins de 4 heures de trajet, ou alors on change le process industriel, on fait de la R&D pour changer les matériaux, pour faire un moteur électrique, pour... Alors déjà, il faut voir un peu le scénario justement de reprise du transport aérien. Donc là, je vous ai mis un scénario tendanciel. Alors apparemment, il a l'air de se confirmer en fonction de ce qui s'est passé cet été, même si à Airbus, on nous dit que c'est un scénario qui est en fait... que cet été, en fait, ils s'attendaient à un rebond qui était un peu meilleur. Mais en fait, on voit bien que sur la fenêtre, là, il y avait le plus et le moins. Et on est à peu près au milieu. Et donc, l'idée, c'est quand même de revenir courant 2024, c'est-à-dire dans 2 ans, hein, parce que c'était vraiment ça le scénario, entre 2 et 4 ans. Voilà. Donc, il y a le scénario positif, c'est 2 ans. Scénario, il glisse un peu sur 2024-2025. C'est de transporter, de revenir à transporter 9 milliards de passagers. L'idée, c'est d'aller au-delà. On est à 8 milliards avant Covid. Avant Covid, on était à 8 milliards. Là, on passe à 9 milliards. Et l'idée, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire aller à 11 milliards de passagers. 11 milliards de passagers, c'est ça. La tendance du trafic aérien, c'est 11 milliards de passagers. C'est-à-dire, grosso modo, chaque être humain prend au moins 2 fois l'avion. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait comme ça, mais en tout cas, c'est transporter 11 milliards de passagers, et donc il faut qu'il y ait un certain nombre d'avions qui volent pour transporter 11 milliards de passagers. Alors, la deuxième chose pour essayer de répondre à la question, c'est quelles sont les tendances. Alors ça, c'est issu d'un rapport du Sénat qui est sorti, en fait, il y a déjà 4-5 ans, que certains d'entre vous connaissent. C'était de dire, mais comment, effectivement, on peut réduire l'impact en termes de gaz à effet de serre, au niveau du trafic aérien. Alors, s'il n'y a rien qui se passe, vu l'évolution du trafic aérien, c'est, forcément, là, on ne colle pas aux accords de Paris, on ne colle à rien du tout. Donc là, on ne fait aucune action, on voit ce qui se passe. Il y a l'action liée, en fait, à l'évolution technologique. Donc, c'est un peu ce qui est en jaune clair, là. Donc, ça réduit la tendance, mais ce n'est pas suffisant. Il y a l'apport de tout ce qui est le kérosène lié en fait aux matières végétales. Donc ça, on nous dit aujourd'hui que c'est quand même pas tout à fait terrible. Et ensuite, il y a peut-être aussi des nouveaux carburants comme par exemple l'hydrogène, des choses comme ça, qui pourraient diminuer. Et entre les deux, c'est la partie un peu rosée là. C'est en fait la transition. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, les Airbus essayent d'aller vers un avion décarboné, sauf qu'avec la crise du Covid, on a arrêté tous les programmes qui allaient dans ce sens-là. On a arrêté notamment l'avion électrique, voilà. Le programme de l'avion électrique. L'IFANX, en fait, l'IFAN avait été arrêté, ça a été repris sous forme IFANX, ça a été de nouveau arrêté. Ça a été une des premières mesures qu'a fait la direction en même temps que l'annonce du PSE. Ils ont aussi arrêté, par exemple, ce qui était le roulage électrique au sol. Donc, il y avait une joint venture qui avait été faite avec Safran et aussi une compagnie aérienne. Il me semble que c'est Ryanair,
EasyJet, voilà, où il y avait donc un système qui était très élaboré chez Safran, notamment à Mont-Lezagne. Ils avaient à peu près 600 personnes qui travaillaient là-dessus. Ils ont tous été licenciés, puisque ça a un impact social derrière, qu'on arrête des programmes. C'est pas simplement on arrête un programme, mais c'est quand même des gens, des ingénieurs, des techniciens qui bossent dessus. Voilà, donc en fait, on se dit, mais comment et donc, il y a eu le plan de relance sur l'aéronautique, qui a remis un peu cette perspective-là, en disant que en 2000, d'ici 2030, je ne sais pas si c'est pas la planche d'après, non, c'est bon, peu importe, d'ici 2030, en fait, il fallait qu'on arrive à un avion décarboné. Alors, pas un avion moyen courrier, mais un avion régional. Pour faire le lien donc entre la transition entre l'avion régional et l'avion de plus grande capacité. Mais ça serait un avion totalement décarboné, c'est-à-dire neutre. Mais ça veut dire quoi décarboné? Ça veut dire neutre. Il est, neutre sous forme de gaz à effet de serre. Voilà. C'est-à-dire pas de rejet, pas de rejet. Oui, le cheval. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traînée, effectivement. Le cheval, il y a le métal. La première des choses quand on parle de d'enjeux climatiques, enfin, mais c'est quoi un avion décarboné? Déjà, c'est comme quand on pose la question de l'énergie en général, c'est la question du marché, de la consommation globale. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut 11 milliards de passagers par an? Alors, ce n'est pas, aujourd'hui, quand on est à 9 milliards, ce n'est pas chaque habitant de la Terre prend l'avion une fois et demie par an. Ce qui est très intéressant avec le marché aérien, ils expliquent pourquoi des gens disent on n'en a pas besoin, et en même temps pourquoi on a des solutions, c'est que c'est totalement inégalitaire. Je parlais du Parisien qui prend plus l'avion qu'un habitant de la Lozère. Et en même temps, c'est logique, parce que la Lozère, il n'a pas d'aéroport, il n'a pas d'offre, forcément. Il n'a pas forcément de besoin, parce qu'en général, il prend la voiture parce qu'il n'a pas trop le choix, vu les moyens qu'il a à sa disposition. Et là, à l'inverse, le Parisien, plus de la moitié d'entre eux n'ont pas de voiture. Donc, s'ils veulent partir au week-end, et moi, j'ai des copains parisiens, ils prennent l'avion systématiquement quand ils partent au week-end. Parce que pour eux, c'est leur transport en commun pour sortir. C'est caricatural, mais... Donc, il est très inégalitaire. Il faut savoir que, dans le monde, 90% des habitants de l'humanité n'a jamais pris l'avion. Déjà, ça calme. En France, c'est que 20%. C'est plus petit. Mais si on prend en France combien en 2019, donc l'année normale, ont pris d'avion, ben là déjà, ça réduit énormément, puisqu'en fait, on a que 25% des Français qui prennent l'avion tous les ans. C'est-à-dire chaque année, il y a 3/4 des Français qui ne prennent pas l'avion. Donc ceux-là, on leur pose la question, vous pensez qu'on peut se passer de l'avion? Ils arrivent à s'en passer un an. Ils arrivent à envisager qu'on leur dit vous avez le droit à prendre l'avion 5 fois dans votre vie. De toute façon, ils en prennent moins que ça dans leur vie. Donc ils disent, banco, moi ça me va. Donc, alors, dans l'esprit des gens, ça explique pourquoi. À l'inverse, donc, il y en a qui le prennent tous les ans, et en plus, 2% des passagers prennent 50% des vols. C'est des chiffres globaux. C'est hyper. Alors, pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont pour des raisons obligatoires, c'est leur métier. D'autres parce qu'il y a un gâchis. Enfin, on est bien placé pour le savoir à Airbus pour faire des réunions. On fait du Paris-Toulouse à la journée. Enfin, donc, il y a une réflexion sur le fait qu'on peut clairement diminuer des vols qui ne servent à rien, de même qu'on peut, et ça c'est, on peut se poser la question, est-ce que c'est un intéressant pour d'aller prendre l'avion pour aller sur une plage à Ibiza ou je ne sais où. Et à l'inverse, il faut comprendre que l'avion, la personne qui dit moi j'en ai pas besoin donc j'ai envie que l'avion s'arrête, ça veut dire que aujourd'hui les 3/4 du commerce mondial passent par l'aérien, et c'est normal. Il n'y a pas de commerce mondial Europe-Chine sans avion. Il y a les paquebots, etc. Si on veut avoir une planète, on va dire, ouverte sur le monde, si on a des projets un peu humanistes, ça passe par l'avion, ça passe par le fait de voler, ça passe par le fait que les gens, il y a des migrations humaines. Donc il n'y a pas que les marchandises qui doivent pouvoir bouger. Les marchandises, elles peuvent se permettre de prendre un cargo et d'attendre 6 mois, etc. Les humains ne peuvent pas. Il faut arrêter. Si vous êtes la famille à l'autre bout du monde, il y a beaucoup de gens qui sont issus d'autres pays, qui voyagent, etc. C'est très important de pouvoir prendre un avion et de faire, ce qui peut être un luxe pour certains, une fois par an, un aller-retour, etc., ou de temps en temps. Et donc il y a un vrai besoin, et en même temps, s'il n'y avait que ça, on ne serait pas à 9 milliards de passagers. Il y a des pays qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de... Je parlais d'Indonésie, c'est un archipel, mais même en Chine, où il y a aujourd'hui les courtes distances, c'est-à-dire l'équivalent d'un Paris-Toulouse, se font en train. Plus personne ne prend l'avion pour ce type de distance en Chine, au Japon, dans beaucoup de pays. Il y a des possibilités en Europe où on a le train du retard, aux États-Unis encore plus. Mais par contre, lorsqu'on fait des distances plus importantes, il faut de l'avion. Donc, quel marché on peut avoir? Et il y a une solution quand même de réduire, et ça va être la question de la,
la demande, ça ne viendra pas du consommateur, ça viendra de la réglementation. C'est interdire dans les pays, au niveau international, certains types de vols qui n'ont pas d'utilité parce que, et qui au contraire ont un coût environnemental très important. Donc c'est le premier axe pour réduire. Mais c'est important de commencer par ça. Si on commence par ça, avant de te dire quelles sont les solutions miracles. Mais pour un tissu industriel structuré autour de l'aéronautique, ça fait moins d'avions à vendre. Comment on fait pour essayer de produire un avion qui... Le but n'est pas d'avoir, et la direction d'Airbus le dit, c'est pas d'avoir forcément de produire beaucoup plus d'avions que ce qu'on produit en 2019. C'est pas un modèle économique, ils sont viables. Toulouse ne peut pas vivre avec, si on doublait le nombre d'avions qu'on produisait à Toulouse, ça serait invivable Toulouse. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'accueillir aujourd'hui deux fois plus de salariés. La croissance en elle-même n'est pas ni économiquement, ni socialement, ni écologiquement souhaitable. Une croissance infinie, dans certains territoires, là où ils en ont besoin. Mais on peut imaginer une forme de sobriété, effectivement, sur le long terme, de sortir du mono-industrie et passer sur d'autres choses. Donc c'est des modèles. Et après, donc c'est possible, c'est souhaitable et c'est faisable. Après, technologiquement, les différents aspects, je parle d'abord du carburant, les autres carburants. Donc l'agrocarburant, si on arrêtait les énergies fossiles et qu'on prenait que des énergies d'agrocarburant pour les avions, on consommerait l'intégralité des agrocarburants. Y compris si on prenait ce qu'on appelle les résidus en fait, agricoles, c'est-à-dire la méthanisation, des choses comme ça, on va pouvoir récupérer des énergies à partir d'aliments qui ne sont plus comestibles. Mais ça, déjà, c'est un modèle qui existe déjà pour la production d'électricité ou pour d'autres productions, pour d'autres usages. Donc on ne peut pas l'utiliser pour l'aérien. Il faut partir du principe qu'on ne l'utilisera pas. Le biocarburant, ça ne marchera pas Le carburant peut marcher, mais on ne peut pas considérer qu'on fera voler tous nos avions, qu'on fera voler 11 millions de passagers au biocarburant. Il faut savoir que l'avion a un problème par rapport au train, par rapport à aux trams, au métro, ou même peut-être à tout ce qui est terrestre, c'est qu'il a besoin d'embarquer son énergie. Le problème, il est là, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de capacité, aujourd'hui, d'envoyer en permanence une énergie et donc d'alimenter en permanence l'engin. C'est valable d'ailleurs aussi pour les engins spatiaux. Certains engins spatiaux qui partaient très loin dans l'espace, ils apportaient une petite pile nucléaire. Je ne sais pas si c'est le futur dans l'aéronautique. Parce qu'on ne peut pas... si on produit soi-même son énergie, il faut soit une source qui stocke une énergie, soit on a effectivement du nucléaire ou des panneaux solaires, faire voler un avion aux panneaux solaires, on ne mettra pas beaucoup de passagers dedans. Si on veut stocker de l'énergie, donc il y a des carburants classiques qui brûlent à combustion. Donc on a vu kérosène, ça va s'arrêter. C'est pas super non plus au niveau du développement même, d'avoir des échanges mondiaux basés sur des rapports de force, sur les énergies fossiles. L'électrique, de toute façon, aussi des contraintes. Faut arrêter les batteries. Alors, déjà, les batteries ont un poids énorme. Ça, c'est aussi un des enjeux du roulage. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi l'électrique, ça peut pas marcher sur un avion? Ça peut marcher, mais ça va. Aujourd'hui, il faut stocker l'énergie. Donc, les batteries, aujourd'hui, on n'a pas de quoi voler avec, parce qu'il faudrait stocker un poids de batterie supérieur au poids des passagers et même supérieur à ce que l'avion peut porter, parce qu'il faut qu'il puisse décoller. Il faut savoir que les questions de poids sur un avion sont majeures. À la fois, c'est le poids au global, c'est-à-dire que plus c'est lourd et plus ça coûte, mais on le sait, le poids, je vous dis en tant qu'ingénieur qui parle, la façon dont on va le répartir est fondamentale. Pourquoi le 737 MAX il est cloué au sol? Parce que Airbus a fait un avion avec un moteur plus gros. Moteur plus gros qui va donc abaisser le centre de masse, mais ça tombait bien, les ailes étaient très hautes sur un Airbus, donc c'était pas si gênant que ça. Pour Boeing, c'était un peu plus gênant, ses ailes étaient plus basses sur son avion générique, sur la structure générique de son avion. Donc il s'est retrouvé avec un décalage. Il a dit, c'est pas grave, on va faire, c'est une nouvelle solution, on met un logiciel et puis voilà. Sauf que le logiciel, il marche pas dans toutes les situations. Et en plus, ils n'ont pas été formés pour le gérer. Et aujourd'hui, s'ils ne volent toujours pas, c'est que le logiciel, il n'est pas suffisant. Et donc toucher à la masse, y compris sur du roulage, etc., est compliqué. Il y a des enjeux dangereux qui peuvent justifier aussi qu'on arrête de toucher en rajoutant 400 kilos, je crois que c'est ça pour le roulage, même si effectivement, ce que disait Xavier et ce que disait le Shift Project et d'autres, c'est que c'est un enjeu, parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de kérosène qui est brûlée au sol, le parking, pour le roulage, sur le parking de les pistes. Donc il faut peut-être, on peut aussi imaginer de tirer l'avion, il y a différentes réflexions à avoir, sans forcément alourdir. Les solutions techniques ne sont pas simples.
Et enfin. Mais elles sont pas simples, mais est-ce que. J'ai vu dans un rapport que la R&D était en chute libre quand même chez Airbus. Est-ce que c'est parce que personne n'y croit ou à cet avion vert ou à ces solutions ou voilà pourquoi ou c'est pas possible en moi, fait. Moi, il me semble que c'est pas qu'une. Enfin, Sébastien essaie de le dire. Parce c'est que pas qu'une question. C'est pas qu'une question technologique. Il y a quand même la question du effectivement de l'acceptabilité d'un trafic qui vise à transporter 9 milliards, 11 milliards de passagers. Ça, c'est pas technologique, c'est politique. Ça, c'est politique. C'est économique. Donc, soit. Parce que si on se pose que les problèmes du point de vue technologique, on peut arriver à des solutions, à les mettre en œuvre, mais c'est pas ça qui va réduire le fameux gaz à effet de serre. Là, d'ici 2050, c'est moins 50%. L'idée, c'est de faire même un peu avant, d'après les projections. Donc, pour arriver à ça, il faut faire forcément de la sobriété. Et ça, c'est des enjeux autrement que technologiques. Mais parce que moi, je voulais revenir sur juste l'implication sur le territoire. C'est-à-dire que moins d'avions, moins de production, moins d'ouvriers, moins d'emplois. Non, du coup, c'est pas ça que ça veut dire. Est-ce qu'on peut faire C'est pas que ça veut dire. Forcer le trait, mais... Justement, la deuxième chose, c'est bon, ce fameux avion à gaz et effet de serre neutre. Bon, on n'y croit pas dans la mesure où, aujourd'hui, avec les annonces d'Airbus, ils ont arrêté pratiquement les programmes essentiels qui visaient à faire des démonstrateurs autour de ça. Alors bon, on sait qu'il y a des études qui continuent, mais aujourd'hui, ce qui intéresse les directions d'entreprise, en tout cas Airbus, c'est savoir de satisfaire les dividendes des actionnaires. Donc si on met beaucoup d'argent dans la R&D, les dividendes, déjà, qui ne vont pas être terribles à la fin de l'année, hein, puisque si ça repart, la trésorerie sera peut-être à l'équilibre, mais les dividendes, il n'y en aura pas. Donc, mettre beaucoup d'argent dans la R&D, c'est pas mettre beaucoup d'argent pour satisfaire les actionnaires. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et le problème, c'est là aussi, ce n'est pas technologique. Le troisième truc, c'est de dire, est-ce que... voilà... Le troisième truc, c'est ça, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas, en fait, plutôt qu'aborder directement le problème du point de vue technologique, l'aborder sur une autre façon de voir le trafic aérien, et comme je disais tout à l'heure, diminuer le nombre d'avions qui volent. Il y a déjà un certain nombre d'avions qui sont stockés. Profitons peut-être de ce stockage-là pour détruire, donc en essayant de retraiter justement des matériaux rares, puisqu'aujourd'hui on sait que ce soit la question des batteries, mais aussi des matériaux qui sont utilisés dans les avions les plus modernes, comme par exemple le titane. Aujourd'hui, dans l'A350, il y a plus de titane que dans un A320. C'est-à-dire que plus Airbus a construit des avions modernes et plus Airbus a utilisé des matériaux rares. Et ça va aller qu'en augmentant. Et l'utilisation justement des batteries lithium et tout vont dans ce sens-là. Ça veut dire que dans certaines parties du globe, et on le sait, les conditions de travail pour extraire ces matériaux rares sont vraiment affreuses. Donc là aussi, on peut se poser des questions sur le retraitement des avions, le retraitement des matériaux, etc. Donc il y a tout un cheminement à repenser. Ce qui est une nouvelle filière. Au-delà que simplement de l'effort technologique. C'est une nouvelle filière industrielle. Il faut le voir un peu comme les questions automobiles. On peut avoir, je reprends l'exemple d'un marché qui va être en diminution, ça arrivait sur l'automobile, et avoir des... Ben, je crois que c'était l'Allemagne, à un moment donné, s'en sortait très très bien. Et voilà. Et donc, alors, je ne suis pas en train de promouvoir l'égoïsme territorial ou national ou européen en disant... S'il n'y avait qu'Airbus qui produisait des avions, on serait heureux. Moi, je n'ai pas envie que ce soit la catastrophe pour les ouvriers chinois ou américains. Mais il faut constater qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis personnellement très confiant sur l'avenir en production, y compris avec une baisse du marché, que je souhaite. C'est-à-dire, je souhaite qu'il y ait moins d'avions et qu'on ait de la sobriété. Et je pense qu'Airbus peut quand même, parce qu'ils sont leaders en termes de marché actuellement... Mais aussi au niveau technologique, c'est même si on investit moins, il se trouve qu'on est en avance aujourd'hui sur les capacités à faire des avions plus économes. Et après, la solution, elle va être l'offre de la demande. Si elle n'est pas régulée, on aura peut-être 11 millions de passagers, ça sera la catastrophe. Écologiquement, ça sera une catastrophe. 11 milliards. Et par contre, ce qu'il faut, c'est avoir des réglementations. Donc, sur l'usage sur certaines distances, ce qui n'a aucun sens, et pas que sur l'avion d'ailleurs, hein, je pense sur le fret.
je veux dire, aujourd'hui, on a beau avoir des discours gouvernementaux qui disent qu'on va devenir tout d'un coup très écolo, mais à côté de ça, les trains de marchandises, c'est pas la fête en France. Et il y a sur d'autres secteurs effectivement des réflexions à avoir en termes de consommation, en termes de façon dont on consomme. Mais l'aérien doit en faire partie. Je parlais tout à l'heure des traînées. Ben, ça serait valoir le coup d'avoir des vraies études, mais c'est pas le rôle d'Airbus de faire ces études-là, mais d'avoir effectivement d'autres études qui voient quels sont les impacts globaux climatiques. En dehors du fait du bruit du kérosène, de calculer, et ce n'est pas évident, on sait qu'il y a un coût climatique, énergétique à la production d'un appareil, mais on ne sait pas exactement lequel, il y a un coût social aussi, ça c'est sûr, mais il y a des coûts, il faut les évaluer. Une fois qu'on les a évalués, avoir des réglementations pour voir si on peut les réduire, et probablement qu'on peut les réduire. Et enfin, effectivement, un avion aujourd'hui qui sort des usines, il est en tout cas en consommation de kérosène, je crois, à 20% en dessous d'un avion produit il y a 20 ans. Et donc, cette question du recyclage qui est la même sur les voitures, on leur met des contrôles techniques suffisamment forts pour que, voire même, on envisage d'en interdire, en disant non, on va arrêter. Et ce qui est faisable pour la voiture est faisable pour l'avion à l'échelle française, européenne et même peut-être mondiale. Alors, il n'y a pas aujourd'hui de discours de règles écolo sur les réglementations internationales de l'avion, mais il y a une chance, c'est que c'est un secteur où il y a déjà un travail international très fort. Parce que, tout simplement pour des raisons de sécurité, il y a des règles qui s'imposent à tous les pays. On ne peut pas faire voler des avions poubelles. Et ben, l'avion poubelle, c'est celui qui risque de s'écraser. Ben, demain, ça sera peut-être celui qui risque de nous brûler la planète. D'ailleurs, je confirme que, puisque c'est l'OACI qui fait les réglementations internationales, ou le IATA, justement, l'idée, c'était que la déconstruction des avions, ça passe à ce niveau-là, effectivement. Ce n'est pas simplement une affaire franco-française. Hein. Oui, que ça passe au niveau international. Mais du coup, il y a des opportunités, si je comprends bien. Il peut y avoir moins d'avions produits, mais vu que le titre de la conférence était quand même « Pour survivre, la filière aéronautique doit-elle se mettre au vert ?» S'il y a moins d'avions, est-ce qu'aujourd'hui Airbus et du coup tous les sous-traitants qui arrivent derrière sont en capacité en 10 ans, 12 ans de changer leur production Il faut savoir aussi que le chiffre d'affaires, on peut avoir moins d'avions et peut-être les vendre plus cher parce qu'ils sont plus écolos, parce qu'ils sont plus confortables, parce que ça n'a aucun sens de payer 8 euros pour aller à Dublin. Je pense que c'est un vol qui n'a aucun sens aussi économiquement, où je parlais des vols à Ibiza qui sont à prix cassé, où les gens ils vont payer le prix d'un cocktail pour aller à Ibiza. Donc il y a des choses à changer. Et on peut avoir aussi une industrie qui de valeur, encore une fois. Peut-être que je parlais des voitures allemandes. Je pense que leur modèle était plus sur des voitures, on va dire, haut de gamme oui. Voilà, pas forcément sur le fait de produire des voitures poubelles. Des voitures poubelles en série, beaucoup. Mais voilà, est-ce qu'il y a une capacité à se reconvertir? Alors, quand même c'est une réflexion qu'on a eue. Donc, on a, je voulais en parler après, mais je vais en parler de suite. Pendant le confinement, en fait, avec la coordination donc aéronautique, on a fait une enquête en ligne qui a eu remporté un certain succès, puisqu'il y a eu à peu près 1200 réponses, et justement où on s'est posé tout un tas de questions, c'est-à-dire l'impact de l'aéronautique, alors bien sûr sur la sphère toulousaine et sur la région, mais avec toutes les questions qu'on s'est posées jusqu'à présent d'ailleurs, c'est-à-dire est-ce que faut-il accepter un nombre d'avions à faire dans la logique d'avant Covid, est-ce que la réduction du nombre d'avions, qu'est-ce que ça a comme conséquence sociale, économique, et de dire voilà, et puis aussi les interdépendances qu'il y a entre donneurs d'ordre et sous-traitants et donc les impacts et tout. Et donc on a eu pas mal de retours par rapport à ça. Et donc ça a fait aussi cogiter en réponse aux différentes tribunes qui ont circulé. Alors ce que l'on s'est dit de façon très factuelle, c'est vrai qu'il y a une interdépendance entre Airbus et l'ensemble des entreprises industrielles qu'il y a sur la région toulousaine. Interdépendance, mais on dit souvent que c'est surtout de la dépendance. Alors, interdépendance, parce qu'il y a de la dépendance du donneur d'ordre vers les sous-traitants. Et nous, on aimerait bien qu'il y ait aussi le retour. Alors, il y a des choses dans ce sens-là. Pour l'instant, on est plus effectivement dans une sous-traitance que dans une co-traitance. Il y a aussi une réflexion pour que de sous-traitance, on puisse passer à une co-traitance. Mais on n'en est pas là. Mais je dis, le problème, c'est qu'Airbus aussi, on le sait, ne pourrait pas sortir d'avion s'il n'y avait pas des sous-traitants. C'est pour ça que c'est aussi dans les deux sens. Même si aujourd'hui le donneur d'ordre impose ses décisions aux sous-traitants, Airbus, on le sait,
On l'a même fait avec Jean-Marc qui est ici présent, Zouliani. On a démontré que 80% de la valeur d'un avion est produit par la sous-traitance. 80%. Donc ça veut dire qu'Airbus produit 20% de l'avion. Donc un Airbus ne peut pas être produit, vendu en compagnie aérienne sans l'apport des sous-traitants. C'est pour ça qu'il y a vraiment une interdépendance, même si aujourd'hui c'est la relation elle est plutôt très verticale qu'horizontale. Et donc on a essayé de regarder qu'est-ce que dans la région il pouvait exister en termes de, effectivement, pour sortir de la monnaie industrie, de capacité industrielle. Alors, il y a bien sûr l'espace, il y a tout un écosystème autour des systèmes embarqués, d'ailleurs Jean-Marc il a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, il y a bien sûr tout ce qui est autour de l'électronique, en fait, etc., etc. C'est-à-dire, on s'est posé des questions par rapport à ça, on s'est posé des questions surtout sur le modèle économique. Parce que pour pouvoir imaginer qu'on réduise l'impact social du fait qu'on produit moins d'avions, même si on le remplace par de la valeur, faut-il aussi s'interroger sur le modèle économique. Et donc ça, c'est aussi cette question-là qui est quand même sous-jacente, c'est-à-dire que si on ne change pas le modèle économique, forcément, il y aura un impact social, quelles que soient les décisions qui sont prises. Quelles que soient les décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réduit les cadences, on nous fait un plan social. Demain, si on repart sur une projection donc de refaire, transporter 11 milliards de gens, il y aura aussi un impact donc qui sera, lui, environnemental. Et on sait très bien que la conséquence de cet impact environnemental, ça va être aussi des gens qui vont migrer. Et donc, aujourd'hui, on parle de plusieurs milliards de gens qui seraient sur la migration environnementale. Donc, forcément, ça a des conséquences. Donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'il faut s'attaquer à la fois, bien sûr, sur les schémas technologiques, mais surtout s'attaquer sur les schémas qui sont économiques. Et donc là, c'est le côté un peu, c'est pas trop mon côté à moi, c'est plutôt celui de Gabriel Colitis. Mais enfin, l'idée, c'est quand même de modifier, de changer un peu le modèle économique. On a un modèle économique jusqu'à présent qui a fait quand même l'aéronautique qu'on connaît aujourd'hui, qui était quand même le fait que ce sont les États, les États qui à un moment donné, dans les années 70, se sont mis en commun pour développer l'aéronautique. Airbus n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu des États, et des États qui ont mis l'argent sur la table, pas des actionnaires privés. L'État, donc nos impôts. Et aujourd'hui, ce sont tous, même s'il y a eu de l'évolution, aujourd'hui, ce sont toujours les actionnaires de référence. C'est-à-dire que les Daimler et les Lagardère qui ont participé à la privatisation, ils ne sont plus là. Les seuls qui restent, ce sont les États. État français, État allemand, État espagnol. Sauf qu'aujourd'hui, ils disent, nous, on ne veut pas rentrer dans le modèle économique, ce n'est pas notre job, donc on vous laisse faire. Ce sont les seuls actionnaires de référence, mais ils laissent faire les actionnaires privés. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'inverser aussi, pour essayer d'arriver à ce que, justement, l'aviation de demain, et que Airbus de demain soit un peu différent du Airbus d'aujourd'hui. Quoi. Si, là je reprends ma casquette aussi, représentant du personnel, donc il y a des échos, on va dire, de salariés. On peut imaginer avoir effectivement, en tout cas c'est le cas aujourd'hui, une baisse des heures de travail. Ça ne veut pas dire que c'est forcément catastrophique. Il y avait des cadences de production qui étaient pénibles, on va dire, c'est le mot utilisé, pénible pour les salariés. C'est quand on produit en continu, quand on produit jour et nuit, les week-ends, etc., la qualité de vie des salariés, elle en est vraiment impactée. Alors c'est surtout en production, encore une fois, pour certains, mais même pour certains ingénieurs qui vont se retrouver effectivement à bosser le soir et le week-end, alors, eux, c'est en heures sup non rémunérées. Mais il y a effectivement, donc d'avoir peut-être aussi une autre façon de voir l'organisation du travail. Et je pense que c'est un enjeu fondamental. Et je sais qu'au moment du confinement, donc ils avaient repris l'activité, ils avaient réduit un peu les heures de travail. Alors, et je ne crois pas que les salariés s'en soient plaints de travailler que 6 heures par jour ou de travailler 8 ou 9 heures. Merci. Du coup, peut-être vous voulez conclure sur quelque chose avant de passer à des questions. Pour conclure, c'est juste donner quatre. Alors ça, c'est quatre points de vue donc qu'on a recueillis dans cette enquête qu'on a fait donc pendant le confinement. Je vous disais 1200 réponses, enfin 1138 exactement. La première des choses, c'est que donc 74% des répondants considèrent que les perspectives de développement de transport aérien
avant Covid sont pas compatibles avec les enjeux climatiques. Déjà, ça, c'est quand même intéressant que ce sont essentiellement des personnes qui sont du milieu de l'aéronautique. C'est-à-dire, à 70%, ce sont des gens d'Airbus. Hein. Bon, il y a des gens qui sont hors Airbus, mais en fait, 70% des répondants, c'était des gens d'Airbus. C'est-à-dire que les gens, les salariés d'Airbus, considèrent eux-mêmes, alors qu'ils... Quand même, ils vivent de produire des avions, quand même. Oui, c'est pas compatible. C'est quand même. C'est, ouais. Voilà. Et ils disent, oui, mais c'est pas possible de continuer à faire des avions à n'en plus finir. Voilà. Une partie d'entre eux, donc 58%, estiment que justement pour compenser cette baisse d'activité, on peut utiliser le savoir-faire qu'on a dans l'aéro. C'est-à-dire que la capacité de faire autre chose que des avions, c'est possible. On a le savoir-faire. On a les compétences technologiques. C'est pas un problème de compétences. Donc, c'est, encore une fois, on revient sur des schémas politiques, etc. 78% pensent aussi que des nouvelles activités pourraient être développées de façon à ce que l'industrie aéronautique, on puisse en sortir. Donc, c'est le côté mono-industrie. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi les gens pensent que c'est possible aussi d'arriver à sortir dans la mono-industrie. Alors, ça ne se fait pas tout seul. Il faut quand même... lancer des filières. Bon, on n'a peut-être pas trop le temps de développer là-dessus, mais enfin, développer une filière aéronautique, vous voyez bien, hein, 70-2020, ça prend, quelques décennies, ça prend un certain temps. Voilà. Donc ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais c'est possible d'y arriver. Et enfin, 66% pensent que justement, on ne peut pas faire confiance aux logiques institutionnelles pour aller vers ça. Et ça, c'est terrible. Et ça, ça nous pose le problème de la démocratie. À la fois dans l'entreprise, mais aussi dans la société. Et ça, c'est terrible parce que ça veut dire que les gens ne croient pas que si on laisse le marché faire, ça va se faire tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de redonner, c'est ce que l'on pense évidemment, du pouvoir d'agir aux salariés pour qu'ils influent sur les décisions des entreprises. D'accord. Ok, mais merci. Est-ce que je vais passer dans le... Est-ce que vous avez des questions ? Je vais venir vous amener le... Ah ben non, le micro est là, donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas. Un bel avion, quand même. On est quand même fiers des avions qu'on produit. C'est vrai que c'est une industrie particulière. Enfin, je pense que beaucoup d'industries, les gens sont fiers de ce qu'ils produisent, mais là, c'est une industrie où souvent les gens y vont parce qu'il y a du rêve. Oui, c'est... Non, mais c'est important aussi, c'est-à-dire que c'est intéressant aussi de voir que même dans cette industrie où les gens rêvent, et même les gens qui ne travaillent pas dedans, je sais que j'ai plein de voisins qui sont... Moi, je suis sous une ligne aérienne, qui sont ravis dès qu'ils voient un avion au-dessus de leur tête. Bon, ça fait un peu de bruit, mais il y a ce côté, effectivement, rêve et... Tout à l'heure, vous êtes parti sur l'avion neutre en carbone. Vous n'avez peut-être pas terminé, ou en tout cas, j'attendais la suite sur l'hydrogène. J'attendais la question. je vais vous poser une question. Qui a dit et quand ? La phrase suivante. Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible et que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable. Ainsi donc, rien à craindre. Tant que cette terre sera habitée, elle fournira aux besoins de ses habitants et ne manqueront jamais ni de lumière ni de chaleur. C'est Jules Verne, ça, non ? Oui, c'est Jules Verne, en 1874. En fait, c'est Cyrus Smith. C'est Cyrus Smith. C'est un personnage de fiction de Jules Verne, en 1874. Donc c'est Jules Verne qui parlait de l'hydrogène. Alors, dans le 20 milieux sous les mers, il parle aussi d'autres formes de production d'électricité. C'était à l'époque, il n'y avait pas encore l'invention de la lampe à incandescence, pour donner une idée. Donc, au niveau de l'invention théorique, c'est pas nouveau. Ça a rien de révolutionnaire. L'hydrogène comme source d'énergie et la façon de la produire à partir de l'eau n'est en rien. Et la façon de produire par électrolyse n'existait pas encore à l'époque, mais les équations et tout étaient déjà sur la table. Donc, si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a des raisons. La première, c'est que, comme je disais, ça va être une source d'énergie si c'est juste pour être utilisé tout de suite ou ça va être pour être embarqué. C'est-à-dire que le problème de l'avion, c'est qu'il embarque une source d'énergie. Donc c'est de remplacer l'hydrogène comme dans les ailes, en l'occurrence actuellement, dans les réservoirs. Voilà. Donc il faut le produire en amont. L'avantage du kérosène, c'est qu'il suffit de le pomper. Et presque dans certains cas, on fait un trou dans le sol et il sort... Et après, bon, il faut le raffiner, etc. Mais c'est le coût, y compris le coût énergétique,
n'est pas le même que celui de produire de l'hydrogène par électrolyse aujourd'hui, qui a un coût énergétique, qui fait que, OK, si on n'avait pas le choix, on peut le faire, mais ce n'est pas forcément intéressant, voire même ça n'est pas intéressant aujourd'hui, d'un point de vue énergétique, de produire de l'hydrogène pour le mettre dans un avion. Ensuite, on a un problème technologique, c'est que l'hydrogène n'est pas stable, et donc aujourd'hui, les ailes d'avion sont assez fines. Je ne veux pas vous dire à quel point elles sont fines, vous ne prendrez plus jamais d'avion. Mais c'est fin. C'est solide, hein. C'est solide, mais c'est fin. C'est fin parce que c'est léger. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'il faudrait des réservoirs beaucoup plus épais, voilà, pour pouvoir garder la stabilité. Donc on n'a pas aujourd'hui... Donc plus de poids. Alors, cela dit, moi je dis, je disais à un jeune ingénieur super-héros l'autre soir, qui me disait, c'est pas possible, c'est fini. Je disais, mais attends, mais c'est à toi, en tant que jeune ingénieur, de trouver des solutions... sur certains aspects, trouver des solutions. Après, peut-être qu'il trouvera une solution pour produire, d'avoir des sources d'énergie peut-être propres, parce que la question, c'est qu'il faut, on peut faire par électricité, par électrolyse de l'hydrogène. Donc si l'électricité est verte, aujourd'hui, quelle électricité est vraiment verte? Alors, on va avoir le débat sur le nucléaire, etc. Mais ça va être lié aussi à la source d'énergie en amont. Donc si on a une énergie verte en amont, on pourrait avoir de l'hydrogène vert. Après, il faut aussi le mettre dans un réservoir. Donc ça, on n'y est pas encore. Voilà, mais oui, c'est envisagé. Ensuite, il faut savoir que c'est toujours pareil. Si c'est le marché qui décide, le marché aujourd'hui, les acheteurs, ils n'ont pas envie de prendre de risques sur un avion avec une technologie qui fait peur. De même qu'ils ne commandent pas, à ma connaissance, de dirigeables. C'est qu'on n'en a pas parlé, mais dans ce qui vole, ce qui pourrait être envisagé pour les transports de passagers, c'est le dirigeable. Mais bon, il se trouve qu'il y en a un qui s'est écrasé, je crois que c'était en Allemagne, les images en noir et blanc, c'est une rare image qui a fait le tour du monde encore aujourd'hui, et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de monter dans un dirigeable. Mais il me semblait que c'était le Zeppelin, non ? Il y a Zeppelin, un voilà. Groupe qui s'appelle comme Non, mais en fait, il faut qu'il y ait une réglementation, il faut réfléchir là-dessus. S'il n'y a pas de réglementation mondiale pour dire on impose une part d'hydrogène dans les avions, il n'y en aura pas, parce que personne n'en achètera, et Airbus typiquement ne va pas investir et mettre le paquet et ça coûte beaucoup d'ingénieurs, ça nécessite beaucoup d'ingénieurs mais ça coûte et de techniciens, mais ça a un coût énorme en plusieurs milliards pour produire un nouvel avion. Et en plus, c'est même pas que Airbus qui le produira, puisque là en l'occurrence on parle d'une technologie liée à des moteurs aussi. Donc ça veut dire qu'il faut accepter que Safran et les moteurs aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas un motoriste sur un avion, il y en a toujours deux, on donne le choix aux acheteurs de deux types de motoristes, avec des motoristes qui sont associés à deux boîtes. Nous, il y a Safran et General Electric. Donc, il faut en plus un accord avec donc ces entreprises qui sont très fortement liées aussi aux États. C'est très, très complexe. Et s'il n'y a pas un accord, en gros, un minima européano-américain sur l'hydrogène, ou européano-chinois, ou, moins probable, américano-chinois, sur deux des deux sur trois qui décident de dire « OK, au banco, on met une réglementation à l'hydrogène et on investit, et on fait investir nos entreprises », il n'y aura pas d'hydrogène. OK. Donc, c'est pas pour... l'avion à l'eau n'est pas pour tout de suite, quoi. Ça pourrait... Non, mais au contraire, je pense que c'est intéressant qu'il y ait un travail réglementaire et que les États s'en emparent. Et après, bon, y a les Allemands ont dit « Nous, on va déjà réfléchir à comment produire de l'hydrogène de manière la plus verte possible ». Ils ont dégainé les premiers. Du coup, pour que la France ne soit pas à la traîne, ils ont dit on va faire pareil. Après, l'Occitanie va mettre en place un grand plan pour. Alors attention, quand on parle de grand plan, on ne parle pas de quelques 100 millions, ça peut paraître énorme. Hein. Je ne sais pas combien ils veulent mettre, mais non, c'est plus que ça. Mais pour l'Occitanie, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on est plus sur le zéro en plus. Hein. Ouais, parce qu'en fait, c'est quand même des ouais. Je ne pense pas que pour la production d'hydrogène, l'Occitanie mette un milliard. Moi, les plans aujourd'hui de la région, je crois que ça se compte en centaines de millions, et c'est que ça couvre l'ensemble des développements aéronautiques d'avions verts. Et sur l'hydrogène elle-même, j'ai peur que les sommes ne soient pas à hauteur. Et même si on mettait des sommes, il faudra ensuite qu'il y ait un marché, qu'il y ait quelque chose qui suive. Ce qu'on a compris quand même sur l'hydrogène, puisqu'on a eu quelques... la direction, puisqu'on est quand même dans une situation où même il y a les baisses d'activité. Il y a quand même l'environnement, on l'a vu avec les municipales, est arrivé très très fort dans le débat. Donc la direction d'Airbus est obligée de se positionner. Donc elle parle aussi de l'avion vert, de l'avion à hydrogène, etc. Mais moi je vous engage à lire le dernier, alors pas le dernier, mais l'avant-dernier revue d'Air et Cosmos, où il y a un article très, très intéressant là-dessus. Et Airbus dit exactement la même chose, c'est que pour qu'il y ait demain un avion à hydrogène, un avion vert, il faut qu'il y ait une filière hydrogène. C'est-à-dire que les avionneurs ne vont pas s'engager à développer un avion à hydrogène s'il n'y a pas déjà une filière. Alors la région Occitanie essaye tant
à essayer de créer justement cette filière hydrogène, mais pour l'instant, produire de l'hydrogène, comme ça a été dit par Sébastien, c'est très énergivore. Donc, bon, alors, s'il y a cette filière qui est établie, mais encore une fois, une filière, c'est très long à se mettre en place, ça veut dire que ça va prendre des années. On veut que l'avion à gaz, on réduise à 50% de gaz à effet de serre d'ici la fin de la prochaine décennie, voire peut-être le milieu de l'autre, c'est-à-dire on va dire 2035, 2040 au pire. C'est peut-être voilà, donc ça veut dire que il y a des enjeux liés au climat qui vont peut-être dépasser le cadre simplement de la technologie, que ce soit hydrogène ou autre. C'est ça la question à mon idée de fond. C'est-à-dire que encore une fois, il n'y a pas que la réponse technologique. C'est pas possible. Même si la réponse technologique peut avoir des effets, c'est évident. Mais il n'y aura pas que celle-là. Hein. J'ai vérifié, c'est 150 millions d'euros qui doivent générer 1 milliard d'investissements. Ah oui, qui doivent générer. Voilà, et après, le risque, c'est que ça se limite à acheter des stocks de peinture verte, faire du greenwashing, parce qu'en fait, l'hydrogène, je disais, il faut de l'énergie. L'énergie, en France, c'est vrai que elle est majoritairement nucléaire, donc elle produit un peu d'énergie nucléaire de CO2, en tout cas d'équivalent CO2 en termes de réchauffement, mais moins qu'en Allemagne. Le problème, c'est qu'on n'est pas, faut pas vous regarder juste son nombril. Si on fait l'hydrogène au niveau mondial, ça va se dire les Allemands, par exemple, ils vont faire l'hydrogène. Au fait, ça sera fait au charbon. Donc c'est où ça sera fait ailleurs et on va délocaliser la pollution, comme on délocalise les mauvaises conditions de travail pour la production de lithium. On va se fournir pareil pour en énergie verte. Production d'hydrogène à base de charbon ailleurs. Ça serait totalement hypocrite de dire que ça, c'est une solution au niveau du réchauffement climatique. Ça n'en sera pas une. Donc voilà. C'est pour préciser des choses par rapport à ce que disait Xavier. Effectivement, ce modèle à hydrogène interroge aussi sur le modèle industriel, l'avionneur. Est-ce que... À mon avis, Airbus devra se lancer dans la motorisation, plus en avance, dans les systèmes de propulsion. Quand on voit effectivement comment aujourd'hui Toyota, mais dans l'automobile, pense à l'hydrogène du début jusqu'à la fin, Toyota est un motoriste. Donc là, il va y avoir des recompositions de limites entre les champs de compétences des acteurs. Donc ça, c'est une chose très, très importante auquel il va falloir réfléchir. Je crois qu'Airbus ne va pas seulement être un architecte, s'il veut, il va être aussi peut-être un constructeur d'avions, il va s'excellencer. Je veux dire, il y a un modèle de rupture de sa part aussi à imaginer. Effectivement, bon, on ne l'a pas évoqué là, mais vous savez qu'un il y avait une évolution sur le modèle économique d'Airbus qui était notamment de réinternaliser les nacelles. Voilà. Donc ils ont arrêté cette réinternalisation. Bon, assez brutalement d'ailleurs, ce qui fait quand même que ça devait démarrer quand même au 1er janvier. Ils ont donc tout arrêté, c'est-à-dire des millions d'euros investis pour rien. Mais justement, dans l'avion du futur, donc le fameux avion vert, ils disent que tout ce qui a été fait dans la réinternalisation des nacelles, donc toutes les études qui ont été faites, serviront justement à un avion où les nacelles seront intégrées. Et donc c'est vrai qu'Airbus va sûrement évoluer dans sa façon de penser l'avion. Et peut-être que les nacelles, ça paraît sûr que demain, c'est Airbus qui produira les nacelles. Ça ne sera pas un nacelliste. Ça sera intégré dans l'avion, y compris peut-être que les nacelles seront totalement différentes que celles qui peuvent exister aujourd'hui. Pareil, la position du moteur, on voit que la position du moteur est tout le temps sous les ailes, puisque ça, c'est un modèle qui date... Peut-être que ce modèle-là est en train, vous avez vu que les derniers types d'avions qui sortent avec des ailes, etc., un peu en canard, les moteurs sont sur la voilure, voire des fois sur le fuselage, en fin de fuselage. Bon, moi, je ne suis pas un technicien suffisamment costaud pour vous parler de ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la physionomie de l'avion risque d'évoluer avec effectivement le type de motorisation. Y compris on parle de voilure laminaire, etc. Donc ça veut dire que... Mais ça, encore une fois, ça veut dire qu'il faut consacrer beaucoup, 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 beaucoup d'argent à la recherche et développement. Et pour l'instant, parce que je reviens à ces chiffres-là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La moyenne, donc, je vous l'ai dit, c'est 12% au niveau des entreprises du GIFAS qui est consacré, par rapport au chiffre d'affaires, qui est consacré donc à la recherche et développement. Au sein d'Airbus, on est tombé à 5%.
Donc, un coût d'industrialisation par du 350, c'est 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros. Vous avez vu que le plan de soutien, notamment de l'aéronautique, a donné 8 milliards à Air France, 7 milliards à l'aéronautique. Pas forcément à Airbus, hein, à l'aéronautique. Donc si on voulait vraiment œuvrer pour que l'avion vert soit, on va dire, d'ici 10 à 15 ans, il ne faut pas mettre un milliard, il faut en mettre 10, peut-être 15, peut-être un peu plus. Donc c'est vraiment un problème aussi, quelles sont nos priorités aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est ça qui doit nous guider aussi dans notre réflexion. Il faut pouvoir peser aussi sur les économies, enfin sur les politiques, ceux qui prennent des décisions, pour dire, bon, mais l'avion vert, pourquoi pas, mais il faut y mettre ce qu'il faut pour y arriver. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais une solution technologique existante qui est les avions type ATR, donc la motorisation à hélice, en fait, qui consomme moins, et pour les courts courriers, bah, développer beaucoup plus ce type d'avion. Donc, pareil, à hélice, c'est ça ? À hélice, enfin, oui, c'est ce système, enfin, c'est des hélices, mais après, c'est turboréacteur à hélice, voilà, c'est ça, je crois. Donc, c'est d'autres types de moteurs, et ça a moins la cote, mais ça serait peut-être bien aussi au niveau réglementation d'imposer, parce que ça consomme moins, et c'est pas des économies. Et c'est intéressant aussi, parce qu'on les produit aussi, nous, donc autant. Par exemple, sur un Nantes-Paris, il y a eu des études qui ont été faites, notamment par le Chip Project. Un Nantes-Paris, si on prend aujourd'hui, c'est un A320. Enfin, c'était un A320. Aujourd'hui, j'en sais rien s'ils ont rouvert la ligne. Mais jusqu'à présent, c'était un A320. On met 50 minutes. Avec un ATR, donc un turbopropulseur à hélice, on met 55 minutes. Donc, on se dit, et qui consomme deux fois moins de carburant. Par contre, il vole à 450 km/h, alors que l'autre, il vole à 920. Mais comme entre la phase d'atterrissage, de décollage, le remplissage de l'avion, en fait, etc., etc., fait qu'à l'arrivée, il y a 5 minutes d'écart. Donc c'est sur ces types de distances-là qu'effectivement, il y a des choix qui peuvent être opérés. Mais sûrement que les compagnies vont le faire. Surtout qu'à Paris, tu peux le faire en train aussi. Mais bon, est-ce qu'il y a des questions ? Encore ? N'hésitez pas. Oui, je pense que la Nantes-Paris va peut-être pas faire long feu quand même en termes de liaison, la liaison aérienne Nantes-Paris. Il y a une liaison certainement à être fermée. Il y a une liaison bretonne qui est fermée. Je ne sais pas si c'est Rennes ou Nantes. C'est Bordeaux-Paris. Et ils ont fermé Bordeaux-Paris. Enfin, ils n'ont pas fermé. Là aussi, il y a des contradictions. C'est Air France, dans la contrepartie donc des aides du plan de relance, enfin du plan de soutien plutôt que de relance, dans l'aéronautique, ils ont donné 8 milliards à Air France. Et en contrepartie, comme il y a tout un débat, y compris, vous le savez, à l'Assemblée nationale, sur le fait de dire quand on a moins de 2h30 de temps de trajet, il faut préférer le train, quand ça existe, n'est-ce pas, à l'avion. Donc la contrepartie, ça a été de fermer la navette Air France entre Bordeaux-Paris. Mais vous avez quand même Ryanair qui a pris la place, vous avez EasyJet qui a pris la place. C'est-à-dire que vous dites à Air France, vous n'utilisez plus le créneau entre Bordeaux-Paris, mais vous ne le dites pas parce que vous n'avez pas de poids sur EasyJet ou sur Ryanair. Donc il y a des fois, on se demande s'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans tout ça. Des questions ? Non ? Pas d'autres ? Vous voulez conclure un mot de la fin ? Parce que je crois que ça va être l'heure, je crois. Ouais, c'est bon. Parce que je crois que la médiathèque ferme, donc on ne peut pas passer la nuit là. Après, c'est les enjeux qui sont, ce que je disais au début, c'est vraiment les enjeux qui sont long terme. Il ne faut pas avoir le nez sur le Covid. Il faut l'avoir parce que les gens qui vont perdre leur emploi, les gens qui cherchent des emplois, qui sortent d'école aujourd'hui, moi, c'est terrible pour ceux qui sortent. Tous les jeunes diplômés. En 2020, c'est une catastrophe pour eux. Ils ont galéré pour avoir un stage et ils n'auront pas de boulot ou beaucoup de mal à en trouver. Donc ça, évidemment, mais après, sous ces enjeux, en tout cas climatiques, décarbonation, c'est des enjeux sur une autre échelle. C'est urgent, parce que le réchauffement climatique est urgent. Il ne faut pas attendre 2030 pour s'en préoccuper, mais il faut le voir, il faudra voir année après année où on en est, etc. Pas être forcément défaitiste. Il y a clairement des marges de manœuvre, hein, j'en ai parlé, sur les réglementations au niveau des altitudes de vol, d'avoir des avions à hélice, de réduire ou interdire certaines courtes distances. Ça prend beaucoup plus de temps qu'il paraît de prendre un avion pour faire un Paris-Toulouse, hein, avec
le temps à l'aéroport, à l'arrivée, ou même charger un taxi, etc. Ça prendra 5 heures à peu près, je pense, pour faire un Toulouse-Paris réel. Donc voilà. Et ensuite, au niveau des ingénieurs, il y aura des solutions techniques, pas forcément hydrogène, mais qui permettront aussi de réduire avec une réglementation qui imposera d'avoir des avions un peu plus écolo, un peu plus économes. Voilà, il y a des solutions. Après, moi, je ne crois pas du tout, pour finir, que ce qu'on fera dans la session de Détroit. Détroit, qui avait d'autres problématiques sociales aussi, qui n'étaient pas que liées à l'automobile, et en plus, qui était vraiment une mono-industrie, alors que nous, on a 27% d'impact aéronautique, mais on a heureusement bien d'autres choses à Toulouse. Donc, voilà, je ne suis pas inquiet. Et au contraire, peut-être que ça peut être une bonne chose de réfléchir à ne pas avoir une croissance effrénée. Voilà. C'est plutôt là, dire que la crise actuelle est une opportunité pour revoir notre modèle de développement. Alors moi, je ne sais pas si c'est la conclusion, mais d'abord, je ne pense pas au scénario Détroit, moi non plus, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est qu'à Détroit, comme ça a été rappelé, c'était une ville qui tournait autour de l'automobile. Mais Détroit, ça a été une délocalisation. C'est-à-dire que l'automobile, ça n'a pas été une chute de la demande, ça a été simplement une délocalisation, notamment au Mexique, essentiellement au Mexique, donc où le coût du travail était... Beaucoup plus bas. Donc ça veut dire que Détroit a perdu beaucoup d'industries de cette recherche de bas coût. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Enfin, en tout cas, il y a bien sûr des délocalisations de l'aéronautique, mais pas au niveau de ce qui a pu se produire dans l'automobile. Donc moi, je ne pense pas qu'il y aura un scénario Détroit à Toulouse. Par contre, il faut quand même effectivement regarder l'impact social qu'il y a aujourd'hui. Et puis après, il faut réfléchir effectivement si, encore une fois, le scénario d'avant Covid, il est tout à fait acceptable ou pas par rapport à l'environnement. Et je pense que c'est ces questions-là qu'il faut creuser. Donc dans ce questionnaire que l'on a fait là pendant le Covid, on est en train d'exploiter les derniers résultats, avec d'autres personnes donc, qui ont participé aux différentes tribunes sur la sphère toulousaine. Donc vous avez ATAC, Copernic, Université Populaire, Manifeste de l'Industrie, il y a aussi le CHIPROGET, Super Aéro des Carbos, en fait tous ces personnages qui essayent de réfléchir ensemble. Il y a aussi bien sûr Atécopole, des scientifiques qui se sont mis en tas pour essayer de réfléchir à tout ça. On s'est regroupé sous forme de collectif, on pourrait dire ça comme ça, pour essayer de réfléchir à l'après, donc à quelle aéronautique pour demain. Et donc on organise le 10 octobre, c'est un samedi. Le samedi 10 octobre, on va dire un forum, on a appelé ça un forum social autour justement de cette question de l'après. Et notamment, est-ce qu'il y a un avenir? Alors là, ça sera beaucoup plus peut-être, les points de vue seront beaucoup plus divers, puisqu'il y en a qui sont pour l'arrêt de l'avion, tout simplement, alors que d'autres font partie, comme moi, plutôt de repenser une évolution industrielle avec un autre mode économique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Mais en tout cas, tous les points de vue seront discutés et discutables. Donc ça se fera sous forme de 3 ateliers, donc avec des intervenants très divers. Et ça se fera donc à la Bourse du Travail, parce que la mairie ne nous a pas autorisé à avoir des salles par rapport aux conditions sanitaires. Donc le 10 octobre, et j'en profite aussi pour dire que le Manifeste de l'Industrie fait donc une conférence chez Job, donc à l'ancienne imprimerie Job, donc qui a été un peu relooké, notamment à partir de la lutte des salariés, et mis dans le quartier. Donc on appelle ça maintenant l'espace Job. Donc ce sera une conférence du Manifeste de l'Industrie qui va se faire donc le mardi 29 septembre avec la participation de Gabriel Colletis, où là justement l'idée c'est de dire est-ce que l'industrie, il y a encore un avenir en France et notamment dans notre région, parce qu'on voit bien que ces questions qui touchent l'aéronautique, ça touche aussi la question de l'industrie. Est-ce qu'aujourd'hui, pareil, l'industrie est acceptable, avec par exemple l'accident qu'il y a eu à Rouen, où on voit, avec l'accident qu'il y a eu à Beyrouth, qui ressemble à celui d'AZF, on voit que l'industrie, voilà, c'est source de pollution, c'est source de nuisance, mais aussi des conditions de travail qui sont très délétères, où plus ça va, plus les salariés sont privés de leur capacité d'agir dans l'entreprise. C'est aussi ça l'industrie, et on se dit, mais au bout du bout, ben, on peut vivre sans industrie. Voilà. Bon,
Eh bien, nous, on pense que non. Mais ça veut dire que là aussi, il faut se poser des questions sur le modèle économique et sur la façon de produire différemment. Et donc, je vous invite vraiment à participer à ces réflexions-là parce que voilà, je pense que c'est plus on multipliera ce genre de forums, de discussions, et plus on prendra en conscience qu'on peut aujourd'hui essayer d'organiser l'industrie autour justement d'un environnement soutenable. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. D'accord, merci pour ces rendez-vous et ces rappels de rendez-vous qui s'annoncent riches. Du coup, on va conclure cette table ronde sur le sujet. Je vous remercie d'être venu et d'avoir posé des questions pertinentes et d'avoir suivi de manière intéressante. La prochaine sera le 16 octobre, donc c'est toujours le deuxième vendredi, et ça se consacrera à l'alimentation. Et on s'interrogera sur est-ce qu'on peut bien s'alimenter sans dépenser des fortunes, quelles sont les filières qui existent dans la région, quelles sont les initiatives. Je vous invite du coup, pour en savoir plus, à aller sur le site de la médiathèque ou sur le Manifesta qui va recenser ce rendez-vous. Voilà. Merci à tous et bon week-end.